Alors je vais faire une vidéo pour le calcul de, de l'air d'un rectangle, je sais, mais je ne peux pas vous laisser passer le brevet en me disant que vous n'aurez pas répondu à cette question-là, alors qu'elle apparaît au moins une fois par sujet. L'air d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est longueur fois largeur Je prends un rectangle. Et ce qu'on va vous demander, c'est l'air en centimètres carrés, par exemple. Donc je prends le nombre de centimètres, je dessine des centimètres carrés, des carrés de 1 cm de côté. OK Et je vais prendre mon rectangle, je vais dire par exemple, je prends un, un carré de 1 cm de côté. Je vais dessiner mon rectangle qui va avoir 4 cm de large, 4 carrés de large. Et 3 cm de euh, 3 4 cm de long et 3 cm de long, hauteur ok par exemple 4 x 3 donc ça c'est la longueur c'est des carrés de 1 cm carré hein. Imaginez le truc et là on va voir la hauteur donc si mon carré fait 1 par 1 D'accord, c'est des centimètres carrés. Donc je suis désolé, il faut que ça passe un moment, cette information-là. Vous la comprenez parce qu'elle n'est pas difficile. C'est le cas de 1 cm par 1 cm. On dit, mais il y en a combien des carrés Les centimètres carrés dedans le rectangle de 4 par 3. Il y en a combien et on les compte, on va les compter donc, euh, comme ça, ce sera plus simple. Même on, avec le doigt, on les compte. Donc, ça, je, je pense, c'est niveau primaire. C'est le programme de classe de primaire. On compte les carrés. J'ai un peu de tristesse, je sais qu'il y a des, des jeunes à 14-15 ans, ils n'ont pas encore compris ça. Et je suis, je suis offusqué. Donc je préfère le dire, j'ai de la tristesse pour la, pour la France. Quand je vois des jeunes qui ne qui, qui savent pas ça, ça me, ça me fait de la peine. Et moi, personnellement, là, de, de par le métier que, que j'ai fait longtemps, je veux dire, ben là, il y en a longueur de 4 cm, je ne peux pas laisser euh, les jeunes français ne euh, pas savoir ça. Okay Donc on va compter, il y en a 4, 4 cm, et là, on, on, va, on va dire que de haut en haut, hauteur en, de bas en haut, sur la largeur, c'est le côté le plus court. On va compter 3 cm parce qu'il y a 3 carrés de 1 cm qui s'empilent. D'accord Bon. J'ai de la peine réellement. Comment on peut ne pas comprendre ça à 15 ans Comment on peut ne pas se souvenir de cette formule On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, d'accord. Bien. Et si j'avais mis euh, euh, donc 12 ici, si je compte bien, 12 carré de 1 cm carré, ça fait 12 cm carré Ah oui, 12. De 1 cm, ben ça fait bien 12 cm. On va peut-être pas découper comme ça régulièrement. Okay, on va prendre une formule qui va se généraliser. Parce que là, tu vois bien. On sait bien distinguer 3 et 4. Et si on fait 3 fois 4, ça fait combien Ah ouais Ça fait 12 aussi. 4 cm 3 cm x 4 cm ça fait 12 3 x 4 12 et ensuite on a des centimètres carré comme on fait les... avec les x là bon ben alors du coup si je fais 3 x 4 ça marche et si je prends un autre euh... mais, mais imaginons je me suis trompé j'ai mis une formule c'est pas la botte Je vais prendre un, un, un rectangle, c'est indifférent, je vais mettre 3 fois 5. On avait 12 et je vais en rajouter 3. 1, 2, ben 13, 14, 15. Voici j'ai 15 cm Ok. Et du coup, ce n'est pas une longueur de 4 que j'ai, mais c'est une longueur de, de 5. J'ai l'impression d'être à l'école primaire. Je reprends le collège, le, le programme de, de, de primaire en troisième, donc là pour le, tout ce qui serait vert, et eh ben euh, si je prends 5 cm, il y en aurait 15. Ah, mais ben attends, mais 3 fois 5, ça fait 15. Ben c'est normal, parce que regarde, clairement, si je comprends bien, ça, c'est une fois cinq, ça, c'est deux fois cinq, si je prends les deux en même temps, ce que j'ai emporté, et, et là, le tout, il ben, y a une fois cinq, plus une deuxième fois 5, plus une troisième fois 5. Ben, C'est bien 3 fois 5. Il y a un carré, un groupe de 5 carrés, plus un deuxième groupe de 5 carrés, plus un troisième groupe de 5 carrés. Ben, du coup, j'obtiens 15 carrés de 1 cm. Ok On va ben, l'air d'un rectangle, ça semble être longueur fois largeur. Et on peut essayer avec tous les, tous les rectangles comme ça. On va l'admettre. Donc, on va avoir 15 fois 1 cm carré. C'est la même chose que 3 cm fois 5 cm. C'est bien 15 fois le carré de 1 cm, l'air. Donc, ben, ça correspond en fait à 3 fois 5 carrés. Ou si je compte dans ça sens là, regarde bien, c'est pareil. On appelle ça la communauté Une fois 3 carrés, plus deux fois 3 carrés, ça fait deux fois 3 carrés. 3 fois, ben, je fais des groupes de 3, cette fois-ci. Plus 3 fois. Ah ouais, 3 carrés, plus 4 fois 5 carrés. Ça fait 4 fois 5 carrés, mais il m'en reste encore, ben, ça fait 5 fois 5 carrés. 5 fois 3 carrés. C'est la même chose que 3 fois 5 carrés. J'ai fait trois fois ces 5 carrés là, ou cinq fois les trois carrés. C'est la même chose. Ouais, bah Du coup, ça fait 15 carrés, en tous les cas. Mais on peut les compter par groupe de 3. Hein. Bon, mais bah, d'accord, comme on peut les compter par groupe de 5. Donc quand c'est la longueur qui est la plus courte, on va appeler la largeur. Ici. Ça nous dit combien il y aura de bords de... Et là, on va l'appeler la longueur, simplement, de bords de carré, ici. Qui s'empile vers le haut. Mais en fait, mais si on se trompe longueur et largeur, c'est pas grave, parce que 3 fois 5, on a dit, c'est la même chose que 5 fois 3. 3 groupes de 5, c'est la même chose que 5 groupes de 3. Donc on peut les intervertir, c'est pas grave. Longueur et largeur, quand on applique au niveau numérique, on comptera toujours le même nombre de carrés. Quand on va sur le bon. Le bon nombre de carrés. Donc ça, on va appeler la longueur, simplement, parce que c'est le plus grand des deux, si on l'appelle la longueur. Et si c'est l'autre, ben, on change les noms. On intervertit les noms. Du coup, ben, ça semble 3 fois 5 cm, ça semble faire 15 cm. 3 fois 5, ça fait 15. Donc, la formule, elle semble se généraliser comme ça. Hein on va l'admettre, cette, cette égalité. Donc, c'est bien égal à 15 cm carré, parce que 3 fois 5, ça fait 15. OK Donc, l'air d'un rectangle, ça y est, bon, on a terminé le problème. Longueur fois largeur. Bah Oui, du coup, ça c'est bon. Ça, Ça, on peut l'appliquer. Ça, longueur fois largeur de la largeur, mais c'est pas c'est petit. Elle fois grand. Elle, elle comme euh, latéral, le grand côté fois le petit côté. Oui, d'accord, très bien. Et quand on calcule l'aire d'un triangle rectangle, du coup, qu'est-ce qu'on fait ben, Un coup pour la moitié. Ah ouais Bah ben oui, l'aire du triangle rectangle, ce serait longueur pour largeur. Si on dessinait le rectangle entier, on aurait un rectangle. On ne prendrait que la moitié. Du coup, l'aire du rectangle, c'est longueur pour largeur. Et l'aire du triangle rectangle, ce serait, si on dessinait un rectangle, longueur pour largeur, et la moitié seulement. Un jeu pour compliquer. Je dis que là, je ne sais pas combien on a. Je vais mettre des trois petits points ici. Ce ne sera pas trois. Je vais choisir un rectangle. Quelconque. Je veux dire, je prends un nombre plus grand que 15. Par exemple, plus grand que 10. Et je vais écrire ici pour remonter la longueur. C'est x moins 3. Je prends un nombre que je ne connais pas, que j'appelle x, et je lui enlève 3. Il est plus grand que 10. Pourquoi 10 J'ai choisi, c'est tout. Et là, je vais l'appeler x moins 5. J'ai bien ma largeur et ma longueur. Est-ce que ça change quelque chose Bon, jusque-là, c'était facile. Ben, Est-ce que la formule, elle change ben, Je prends un exemple. Si je prends x égale euh, 10, 10 moins 3, ça fait 7. Et là, 10 moins 5, ça fait 5. Ça fait 5 fois 7, quand même. Je prends x égale 100, ça fait 97 fois 95. Ah ben, donc, Du coup, non, je ne changerait rien. Je fais x égale 6a. Ah. Ça marcherait quand même plus grand que 10, mais on va dire 6. 6 moins 3 ça fait 3 6 moins 1 ça fait 1 ouais donc on voirait, on verrait combien de, de carrés il y a je peux faire ça donc ça veut dire que l'air du rectangle c'est toujours longueur fois largeur On peut faire ça. OK Et donc, du coup, cette R du rectangle, la longueur la plus grande, c'est x moins 3. Et la longueur, la, la largeur la plus petite, c'est x. La longueur la plus petite, non, c'est côté le plus petit, c'est x moins 5. Et là, du coup, cette R, elle est un peu bizarre. Hein elle dépend de la valeur x. Ben, C'est vrai. Tout à l'heure, je dis si c'était 10, ça fait 7, x 5, 35. Si c'était 6, ça fait 3, x 1, 6. Ça dépend de la valeur x. Bon, donc cette valeur, on dit qu'elle est en fonction de la valeur de x. Bon, c'est une fonction de la valeur de x. Bon, du coup, du rectangle x, c'est quoi eh bien, On fait comme on fait quand on est chez les petits, on fait une distribution. Et on reprend les, les dessins, là. on va dire je vais distribuer x une première fois. Avec son signe, je vais faire du développement et je vais faire la même chose là. Je vais distribuer mon moins 3. Attention, j'ai bien dit moins 3. Ok Bon. Mais je vais le faire alors, du coup, et j'applique. C'est un truc qui est tombé par exemple au brevet 2022. Ça. Un équivalent, on pourrait en faire plein comme ça. Donc, x fois x. x fois moins 5. Bon, déjà, le signe, c'est moins. Je vais mettre moins 5 fois x. C'est pareil. La commutativité, on peut remplacer. Moins 5 fois x. Moins 3 fois x. Moins 3 fois x. Et moins 3 fois moins 5. Alors, moins 3 fois. Bon, je vais prendre comme ça moins 5 ah ouais d'accord je bon, demande pas quelque chose moins 3 fois x ici je tape 5 voilà et ça on va dire que c'est égal à c'est pas très bien rédigé mais on va pouvoir le travailler. Moi, je suis sur Paint, normalement. Il n'y a pas de difficulté sur ce travail de rédaction. Je vais donc trouver que si je fais le calcul et que j'essaye de réorganiser mon calcul et le simplifier, x fois x, c'est x au carré. Ça, ah, on l'a compris il y a un moment. Fait l'histoire du carré euh, réellement avant de faire le rectangle. x au carré, moins 5x, moins 3x, bah, je fais la somme, ça fait moins 5, moins 3. Euh, bah, J'ai creusé de 5, je creuse de 3 encore, bah, c'est comme si j'avais creusé de 8. Mais fois x, et moins 3 fois moins 5, c'est 2 signes moins. Règle des signes, ça donne un plus. Et ensuite, je multiplie les nombres entre eux sans les signes. Plus 15. Ok. Et bien voilà. Je l'ai l'air de mon rectangle qui est tout là. là. Ce rectangle bleu ciel. Là. Je sais la calculer. Même si on m'a mis des longueurs bizarres avec des x. Vérifions. Tout à l'heure, j'ai pris 6. On avait dit 6, ça fait 6 moins 3. fois 1, ça doit faire 6. 6 au carré, 36 moins 8 fois 6. On va faire le calcul parce que ça paraît pas bizarre. Où ça pour tomber là-dessus 36 x au carré, 36 plus moins moins. J'ouvre une parenthèse. 8 fois 6 plus 15, 3. Ah ouais, ça fait 3 comme tout à l'heure. 6 moins 3, ici ça faisait 3 dans la longueur. Et 6 moins 1, ça faisait 1. Et 1 fois 3, ça fait 3. Ah, ça marche. Et quand on avait pris 10, ça faisait quoi 10 moins 3, 10 moins 3, ça fait 7. Et 10 moins 5 ça fait 5. 7 fois 5, on avait dit 35. Est-ce qu'avec la formule bizarre que j'ai obtenue, j'obtiens le même résultat 10 au carré. 10 fois 10. Moi, ouais. j'ouvre une parenthèse 8 X 10. Plus 15. Ouais, 35. On tombe sur la même formule. On tombe sur le même résultat. C'est bien. C'est bien, d'accord. Mais ben, si on tombe sur le même résultat, c'est bien. Ok Et si je prends l'air d'un carré ben, C'est côté fois côté. Alors, il y a une question dans le sujet de brevet 2022. Elle est bizarre. C'est quand est-ce que l'air d'un carré est égal à l'air d'un rectangle ben, On ne peut pas dire. Si, si on connaît l'air du carré. Alors, l'air du carré, c'était ça. Ils ont osé mettre cette énigme-là au brevet. Ils ont pris un carré. Ils ont, ils ont dit, je vous assure que c'est vrai, hein. ils ont dit, première question du cinquième exercice du brevet de 2022. On dit là, j'ai un carré de côté X, et ici de côté X. Quel est son R ben, côté pour côté, x, euh... vrai, quoi. Et du coup, quand est-ce que ces deux R sont égales Quand est-ce que l'air du carré et l'air du rectangle elles, sont égales Eh bien là, ben, quand x au carré, les airs sont égales. Ben, quand l'air du carré est égal à l'air du rectangle. Pour bon, l'air du carré, c'est x au carré, est égal à ben, l'air du rectangle, on l'a vu, c'est x au carré moins 8x plus 15. Alors x au carré moins 8x, c'est barbare. Hein 15, on arrive au second degré. On a des carrés. Mais si j'enlève les. Et, et, et attendez, j'ai x au carré des deux côtés. J'essaie de le mettre du même côté. Ah bah, ben, ils vont disparaître. Ah ouais Ouais, ouais. Je vais faire x au carré moins x au carré. C'est de les mettre du même côté. Égal x au carré moins x au carré. Moins 8x plus 15. Oh, les chenapins. Ils ont essayé de nous bluffer. Parce que x au carré moins x au carré, du coup, je sais faire. C'est 0. Et l'autre côté, x au carré moins x au carré, ben ça s'annule aussi, ça. Il reste moins 8x plus 15. Oh, les chenapins. Parce que ça, je sais le résoudre au collège. Je sais. Et voilà, c'est tout. Ils sont forts. Zèb le fait les gens. Mais attendez, si je veux faire un programme de calcul qui calcule ça, je dois mettre la valeur de x en entrée. Je choisis x. Je dois créer une réponse. Réponse contient bah déjà x fois x. Déjà. x au carré. Je dois, j'ajoute, mais moins 8x à la réponse. Et ensuite, j'ajoute 15 à la réponse. Et quand on a fait le calcul tout à l'heure, si je prends une valeur de x, je prends 10, qu'on a fait le calcul avec l'air de 10, je fais vers 10 fois 10, 10 au carré, puis ensuite, j'ai pris la calculatrice pour le faire. J'ai enlevé 8 fois 10, j'enlève 8 fois x, et j'ai rajouté 15 à la réponse. C'est le programme que je fais ne soit qu'à Je fais 10 fois 10. J'ajoute 10x fois lui-même. Je vais enlever. C'est bon, ça c'est le premier calcul. J'ai mis contient, réponse, contient x au carré. J'enlève 8 fois ben, euh, x. Ah ouais. Ça c'est réponse, j'ai enlevé 8 fois x. J'ajoute moins 8x à réponse. Et je rajoute 15 à réponse. Ah ouais Ah ouais C'était le fameux 35. 10 moins 3, 7. 10 moins 5, 5. 7 fois 5, 35. Ouais. Bon. Comprendre ça, c'était comprendre ce qui était attendu dans. Euh... La question sur Scratch. C'est comment je crée un programme qui va calculer l'aire du rectangle si je ne connais pas X. Quel est mon programme de calcul associé Dans l'ordre. X au carré, moins 8X, plus 15. Alors, ce n'était pas tout à fait ces deux-là. Je ne sais plus lequel c'était. Je n'ai même pas envie de poser la question. Mais ce sera toujours la même méthode, quoi. Okay. Donc, c'est tombé il y a deux ans brevet, sachez-le, c'est le niveau de difficulté maximum qu'on puisse vous demander en calcul d'air. Alors voilà, il fallait comprendre que Scratch pense comme la calculatrice quand elle fait du calcul. Que vous vous avez dit bah, d'abord, j'ai tapé x carré, il y avait 100, ensuite j'ai enlevé 8 fois x, il y avait 80 que j'ai retiré. Il restait 20 comme résultat dans la réponse. Et à ce 20, j'ai rajouté 15 pour faire le calcul pour 10, quand x vaut 10. Donc en fait, Scratch penche comme la calculatrice. C'est comme l'élève qui tape sur la calculatrice. Si je dois calculer pour 10, je fais quel raisonnement Si je dois calculer pour 7, ben je vais prendre 7 au carré, 7 fois 7, je vais obtenir 49. Réponse contient 49. C'est dans la calculatrice, il y a encore là, tu touches, sur la touche, réponse, il y a encore marqué 49. Tu dis à, à réponse, je vais lui envoyer moins 8 fois 7. Moins 56. 49 fois 56, ça fait moins 7. Et ensuite, c'est ce qu'il y a dans la réponse. C'est vrai? Et à ce moins 7, je vais ajouter 15. Moins 7 plus 15, ça fait 8. Donc euh, à la réponse, j'ai un tout 15. J'obtiens le résultat, ça fait 8. Est-ce que ça marche ici bah, Si tu peux vérifier, 7 moins, 4, ça fait 7 moins 3, ça fait 4. 7 moins 5, ça fait 2. 2 fois 4, ça fait 8. Ah bah oui. 7 moins 3, ça fait 4. 7 moins 2, ça fait 2. Et puis d'après la formule longueur fois largeur, bah 2 fois 4, ça fait 8. Ça, c'est parce que tu es obligé d'avoir le dessin sous les yeux. Mais si tu n'as pas le dessin, que tu as la formule, bah, ça marche. Donc avec le programme de calcul, on peut calculer l'air. A. Ah. D'accord. C'est bien. Valeur des réponses que vous avez là, 20 points sur 20. Sur 100. Comprendre bien ces choses-là et les maîtriser, c'est 20 points sur 100 il y a deux ans au brevet. Alors, je ne dis pas que le même exercice pourrait retomber, ce serait même cruel, mais je dis qu'on n'est pas loin de, par exemple, tu peux le faire avec un triangle rectangle. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre tout ça, tu en prends la moitié. Et on peut te demander, et au fait, après que tu as fait tout ça, c'est quoi la longueur qu'il a là Mais à coup de pas, c'est l'exercice, c'est comparable à l'exercice 4 du brevet de 2022. À exercice 4 bon pour avoir des choses de si plat euh, moi j'ai vu des gens qui ont bloqué sur je dis pas dedans l'air du rectangle donc mon objectif alors on pourrait compliquer le sujet encore bon ça a rien à voir je prendrais par exemple le fameux carré de côté x et le fameux rectangle de côté je sais pas combien par combien X moins quelque chose ou X plus quelque chose. Et je vais rajouter 2 cm, par exemple, la même hauteur dans chacun d'entre eux. La même hauteur. 2 cm de hauteur. Donc vous imaginez que je dessine un volume. Et là, il y en a qui a une base carrée, ce n'est pas un cube. Hein. Là, il y en a qui a une base carrée, ce n'est pas un cube. Donc une base carrée et puis une profondeur. Et là, pareil, il y a un rectangle. Et je mets une, une profondeur aussi dans le dessin. Je finirai le dessin si vous, si vous avez du mal à le voir la profondeur. Vous verrez comme ça, là. Ce ne serait pas un cube. D'accord Comme ça. Et je pourrais poser la question. Ils ont la même profondeur hein, de 2 cm. Quand est-ce que les deux volumes sont égaux Bon, je résous euh, l'énigme que je pose moi-même. Le volume du cube, ce serait l'air de la base fois la hauteur. On pourrait poser les questions différemment. Quel est le volume du cube? Aire de la base fois hauteur. Il serait égal à 2 cm fois l'air de la base x au carré, puisqu'on a vu que c'était la base carré. pas un cube, hein, mais pour le volume à base carré. Et on aurait la même chose ici pour le volume à base rectangle. Donc, on aurait 2 fois x au carré moins 8x plus 15. Quand est-ce qu'ils sera ben, égaux Il faut que je résolve 2x au carré. Il faut que je résolve 2x au carré. Il faut que je résolve 2x au carré. Donc, je vais développer celui-là, si vous voulez. 2x au carré. 2 fois moins 8, moins 16x, euh, plus 15, 2 fois 15, plus 30. Les volumes sont égaux aussi ces deux nombres sont égaux. On dit là, c'est le volume de, du premier, 2 x carré Et l'autre, c'est le volume du deuxième, 2 x moins 16x plus 30. Et donc de la même manière, je vais pouvoir résoudre pour cette équation-là, qui serait nécessairement sur le même schéma que le volume des airs, que le calcul des airs, l'égalité des airs. On des... Au lieu d'enlever x carré de chaque côté, on enlèverait moins 2x au carré de chaque côté. Hein ça se résoudrait de cette manière on ferait 2x2 moins 2x2 égale j'enlève la même chose des deux côtés 2x2 moins 2x2 plus 16x plus 30 mais comme j'ai enlevé la même chose des deux côtés mais il n'y en a plus d'x au carré. et j'aurais 0 égale 2x2 moins x, ça fait 0 aussi. Plus 16x, 16x plus 30. Moins 16x plus 30. Moins. Et un moins. C'est bon Eh ben du coup, c'est encore une équation du premier degré, ça. Alors à savoir, parce que ça, c'est le genre de choses, on peut vous dire, attention. R de la base fois hauteur pour une base carrée et une base rectangulaire, vous savez faire. Si je mets la même hauteur, en fait, je, je n'augmente pas le degré de x. On peut passer des x au cube, parce que j'ai mis 2 comme hauteur, volontairement. C'est le même nombre. Je n'ai pas mis x, j'ai mis 2. 2 hein? dans ce sens-là. Dans le sens de je vais vers le fond. Ok, et là aussi 2. Et euh, bah de ce fait, je ne change pas le niveau de difficulté à la part que je teste en plus si vous connaissez la formule du volume d'un d'un volume de base carré et d'un volume de base rectangulaire. C'est deux parallélépipèdes rectangles. La réponse ce serait évidemment 36e qui fait 15e x doit être égal à 15 huitièmes. On résout, on résout ça simplement après. Et là, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on peut vous demander sur euh, des volumes. Alors, c'est un sujet qui est un peu étrange. On pouvait faire euh, calcul d'air, euh, fonction et calcul d'air. Euh, ils ont rajouté Scratch au milieu. Et je pense que la seule chose où ça a obtenu, c'est le crash des élèves. Scratch, ça a amené le, le crash. C'est déjà, tu étais sur euh, calcul d'air. Calcul d'air incluant une fonction. Calcul d'air incluant une deuxième fonction. Euh, programme de calcul, mode réponse. Avec Scratch, c'est quand tu dis « Dernière réponse » qu'on tient, ça. Et comment je modifie la dernière réponse pour obtenir le calcul à la fin, quand je ce calcul-là. Résolution d'équation. Alors, c'est mise en équation et résolution d'équation. Et là, si tu vas jusqu'au bout, tu vas calcul de volume, et résolution d'équation. Mise en équation et résolution d'équation. C'était l'exercice pour les cadres en mathématiques. C'est ceux qui maîtrisaient tous les sujets. Alors pourquoi je le traite là, cet exercice C'est tellement un exercice classique, il est là une fois sur quatre, quasiment. Un truc de champ là, change la valeur de x, au lieu de faire x-3, je vais mettre 2x plus 5. Et là, je vais mettre euh, euh, 2x euh, plus 10. Là, je vais mettre 2x fois 2x. Le carré de longueur 2x, le double du nombre. Et je vais refaire le même exercice. Je vais mettre 3x plus 5, 3x moins 3. Là, je vais mettre 3x et 3x. Et je vais refaire le même exercice. Des fois, je, on s'arrête, euh, on ne met pas Scratch. Des fois, on s'arrête au calcul de, des airs qui sont égales. Des fois, on va jusqu'au volume si on veut embêter les élèves. Mais faut il faut qu'ils l'aient vu. C'est un exercice qu'on appelle un classique du brevet.